Bonjour, aujourd'hui c'est une maman inquiète qui prend la parole parce que je suis maman d'un ado autiste qui a découvert le hockey il y a 5 ans. Et quand il a découvert ce sport, ça a été une révélation. Il n'a vécu que plus que pour ça et pour pouvoir un jour, pas juste le regarder, mais en faire lui aussi. Il a accès à ses thérapies, il a accès à ses progrès pour pouvoir faire un sport d'équipe. Alors, je répète, hein, autiste, donc d'équipe et de contact. Voilà, hein, c'est magique. Il a passé beaucoup de temps à essayer de travailler pour pouvoir intégrer tout ce milieu-là. Et aujourd'hui, à une heure où on parle d'inclusion de façon quand même générale, où on essaie de trouver de plus en plus de moyens et de biais pour que ces enfants puissent être intégrés dans notre société et qu'ils puissent trouver leur place, moi, ça fait un an que j'ai un gamin qui est privé de glace. J'avais trouvé un moyen de communiquer avec mon fils à travers le hockey et j'ai plus le droit parce que ça lui fait trop mal. Donc il se renferme, il referme tout ça. C'est trop difficile. Je ne dois pas être la seule maman dans ce cas-là. Et aujourd'hui, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de trouver des solutions pour que ces gamins, qui sont notre avenir, et nous, on a axé notre vie là-dessus pour que ce petit bout de chou qui était tellement pas dans la norme puisse avoir une place dans notre société, ben, aujourd'hui, j'ai peur. Et aujourd'hui, je voudrais que les choses, elles, se bougent un peu. Parce que ça ne peut pas durer comme ça de façon indéfinie. Parce que nos gamins, notre avenir, ben, ils ont besoin de retrouver la base, ils ont besoin de retrouver leur sport. S'il vous plaît, réfléchissez-y et essayez de leur rendre leur sport. Merci. J'ai 12 ans, je suis licenciée du LHCA. J'ai une grosse différence, c'est que je suis autiste et malentendant. Avec le confinement et l'épidémie du coronavirus ou SARS-CoV-2, j'ai perdu mon sport qui se nomme le hockey sur glace. Maintenant, je m'entraîne différemment, c'est un peu nul. Ce que je veux, c'est au moins un an. Ce que je veux, ce que je me languis, retrouver mon sport, retrouver ma glace, retrouver mon jeu.